Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Xiaomi. Encore une fois, on parle beaucoup de Xiaomi en ce moment, mais il faut dire qu'il lance à peu près 6 smartphones par minute. C'est un rythme effréné, on a beaucoup de mal à suivre. Et donc là, qu'est-ce qu'on a ici? C'est le Mi 8 Pro. Donc le, on va dire un peu le flagship de la série de Xiaomi. Donc qui se place un petit peu en parallèle, on va dire, du Mi Mix qu'on a évoqué très récemment d'ailleurs. Et donc ce Mi 8 Pro, qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à un Mi 8 normal? Donc ce Mi 8 Pro se distingue de son petit frère, d'une part, par son design. Parce qu'on a ici une espèce de petite finition en trompe-l'œil qui laisse croire à l'utilisateur qu'il peut voir ses composants avec ici le soc, les différents composants qu'on a ici. Alors il faut savoir que tout ça n'est qu'un trompe-l'œil, que c'est juste en fait un sticker qui est collé derrière une dalle qui est vitrée. Donc c'est du bel effet quand même, il faut le dire, ça a un peu de gueule, ça fait un peu tecos quoi d'avoir ça entre les mains, mais c'est pas les vrais composants. Donc il y a quand même des contraintes derrière de conception qui font qu'on ne peut pas montrer les composants derrière cette vitre. Donc ce design est tout de même assez réussi. C'est un smartphone qui est assez élégant, bon ça prend un peu les traces de doigts certes, mais ça reste tout à fait honorable et c'est ce qu'on attend d'un smartphone haut de gamme aujourd'hui, ce dont s'approche finalement ce Mi 8 Pro. Autre différence, et qui est à mon sens la plus intéressante, c'est la présence d'un lecteur d'empreintes qui est placé ici sous l'écran du smartphone, alors que sur le Mi 8, il était placé ce lecteur d'empreintes au dos. Alors, est-ce que ça fait une très grosse différence à l'usage? Il faut voir que d'un côté, ce lecteur d'empreintes, au moins, il est toujours accessible, que le smartphone soit posé sur une table, sur un support dans une voiture, ou tout simplement quand on le prend en main, bam, le pouce tombe dessus, ça déverrouille. Alors, ça fonctionne aussi bien ici que sur un OnePlus 6T par exemple, mais ça fonctionne toujours moins bien en fait, ce système de lecteur optique fonctionne toujours moins bien que les capteurs qu'on a, les capteurs d'empreintes classiques, qui sont placés au dos, en façade ou autre, mais qui ne sont pas placés sous des écrans. Ici, c'est un poil moins rapide. Dans l'ensemble, si vous n'êtes pas à quelques millisecondes près, ça ne devrait pas trop vous gêner. Mais bon, on ne sait jamais, on a des gens qui sont très pressés. Voici pour la deuxième différence, et on a une troisième différence, et qui là, étonnamment, n'est pas à l'avantage du Mi 8 Pro, mais à l'avantage du Mi 8, parce que le Mi 8 a une batterie plus importante que celle du Mi 8 Pro. On est sur un écart qui est au-delà des 10%, aux environs de 15% quand même d'écart. Et finalement, c'est un peu ce qui pêche sur ce Mi 8 Pro, c'est l'autonomie. On a une autonomie qui est relativement faible par rapport à d'autres smartphones haut de gamme qui cette année se sont tous plus ou moins distingués par des bonnes autonomies. Ici, c'est un peu décevant. Après, sur tout le reste, c'est un Mi 8. C'est-à-dire que vous retrouvez le même écran en dalle OLED qui est très bon. Vous retrouvez les performances photos qui sont similaires, c'est-à-dire correct dans l'ensemble, avec des bonnes performances en plein jour, un petit peu moins bon en basse lumière, mais ça reste quand même assez bon. C'est pas le meilleur smartphone en photo, mais ça tient la route, on va dire. Donc dans l'ensemble, ça reste un bon smartphone qui apporte un peu tout ce qu'on attend, mais sans exceller vraiment de nulle part. À l'inverse d'un OnePlus 6T, qui lui est très bon dans tous les domaines, ici on est un petit peu en dessous sur chaque point. Donc c'est quand même un peu particulier. On va dire que si vous êtes vraiment attiré par son design, ça peut être un bon point. Si jamais le lecteur d'empreintes sous l'écran vous en fichez totalement, autant partir sur un Mi 8 qui est vendu une centaine d'euros de moins, parce que là ici on approche quand même des 600 euros, donc on n'est plus sur du smartphone vraiment avec un rapport qualité-prix imbattable comme on a pu l'avoir par le passé. On a un Mi 8 qui se vend aujourd'hui aux alentours des 400-450 euros. Ça fait quand même une certaine différence. Au moment de choisir, finalement, si vous n'en avez rien à faire du lecteur d'empreintes sous l'écran, si le design n'est pas indispensable pour vous, il vaut mieux vous diriger vers un Mi 8. Ou vers un OnePlus 6T. Vers un OnePlus 6T, si jamais vous voulez en fait un smartphone qui est dans cette veine-là, c'est-à-dire qui offre d'excellentes performances, un lecteur d'empreintes sous l'écran, un bel écran d'ailleurs, une bonne autonomie et de bonnes photos, là il faut aller sur un OnePlus 6T parce que ce Mi 8 Pro est un petit peu en dessous sur tous ces points. Combien d'étoiles?
Eh bien, mon cher David, ce téléphone a pris 4 étoiles d'après notre grille de notation. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ici, Xiaomi a empilé un peu des technos, mais en oubliant finalement, on a l'impression, l'expérience derrière utilisateur, notamment. On peut se demander pourquoi mettre une batterie plus petite, sachant que c'était déjà, on va dire, pas la folie sur le Mi 8, mais c'était correct. Là, on est encore en dessous. Tout ça pour caler un lecteur d'empreintes sous un écran et derrière se coller 3 stickers qui font office de décor. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, tout en vendant ça 100€ plus cher en plus? Enfin, y a quand même derrière un surcoût aussi. Donc finalement, c'est un surcoût qui se retrouve pas vraiment derrière dans les performances. Et du coup aussi, là, par rapport au prix que tu évoques, autant aller sur un Honor View 20, par exemple? Alors oui, effectivement, d'autant que le Honor View 20 a pour lui ce design un peu particulier avec son écran qui a juste un trou, qui a plus d'encoche, mais qui a vraiment juste un trou pour le capteur frontal. Du coup, le View 20 reste une alternative tout à fait honorable. Putain, qu'est-ce que je suis fort. Putain, ça c'est super van. Non, ça reste une très bonne alternative, effectivement, le Vivo 1. Mais aujourd'hui, sur le marché, avec ce qui existe, le OnePlus 6T, dans cette veine de smartphone, on va dire, un peu sans limite, mais pas sans limite sur le prix, le OnePlus 6T, ça reste le plus intéressant aujourd'hui.